Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, on va discuter des trois recueils de courtes histoires de Tsukasa Ojo, à savoir Le cadeau de l'ange, Le temps des cerisiers et La mélodie de Jenny. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'en ai très peu entendu parler, on a très peu d'informations, que ce soit sur internet, sur YouTube, donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir les lire, me faire mon idée et vous faire ensuite un retour. Également, je tiens à m'excuser de mon silence, on va dire, depuis quelques semaines. Je suis à la fac et j'étais en période d'examen, c'était assez intensif, je travaillais énormément, donc j'ai dû laisser de côté cette nouvelle activité qui me plaît tant sur YouTube, où je fais un petit peu des retours comme ça de mes lectures, où je présente des œuvres qui m'ont plu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en parenthèse, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec assiduité comme avant. Également, vous aurez remarqué que j'ai changé complètement mon look. Voilà, j'ai enfin ma coupe de cheveux qui est revenue à la normale. J'ai changé également l'outil de travail, on passe sur un appareil photo plutôt que sur mon iPhone, je verrai bien ce que ça rend au montage. Et si vous êtes prêts, je vous propose de commencer juste après l'intro. Ainsi, comme indiqué au préalable, on va parler des trois recueils d'histoires courtes qui sont publiés entre 1980 et 1996 dans le Shonen Jump de l'éditeur Shueisha au Japon. La version française a dans un premier temps été publiée par Tonkam, c'est d'ailleurs l'édition que j'ai, puis par Kion plus récemment. Et évidemment, vous l'aurez compris, on est sur le travail de Tsukasa Ojo, le célèbre auteur de City Hunter et Cat's Eyes entre autres. Pour commencer, je vous propose de nous porter sur le premier recueil, à savoir celui qui est nommé Le cadeau de l'ange. Dans ce premier recueil, il y a la toute première œuvre, on va dire, achevée de Tsukasa Ojo en 1980, qui est la courte histoire nommée Je suis un homme. Et à titre indicatif, pour vous situer un petit peu le parcours de Tsukasa Ojo, c'est en 1981, donc vraiment juste après qu'il entamera la série Cat's Eyes. Je vais tout de suite vous lire le résumé de la courte histoire Je suis un homme. Donc suite à des réparations d'écoles respectives, une classe de garçons et de filles vont devoir cohabiter au sein d'un même établissement. Les garçons, et plus particulièrement le personnage de Sho, vont avoir des difficultés à cohabiter avec des filles, puisqu'ils sont davantage partisans des diverses coutumes, traditions japonaises. Les filles, quant à elles, sont plus modernes, on pourrait dire, plus libertines. Donc il y a un petit peu un choc des genres, je sais pas trop comment dire, qui scindent un petit peu deux groupes. Cependant, petit à petit, entre filles et garçons se tissent des liens, des ressemblances, des attirances. Et c'est vraiment entre le personnage de Sho particulièrement et une jeune fille qui s'appelle Iwasaki qu'il y a cette confrontation. Et voilà la base assez simpliste sur laquelle va s'ériger cette courte histoire. Pour mes éléments positifs, j'ai noté qu'il y avait une belle morale, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a du mal à se représenter les personnages, à les comprendre, on ne trouve pas trop de sens à cette histoire, et peu à peu, on va davantage en apprendre sur eux, leur enfance, ce qu'ils ont vécu, et donc davantage pouvoir se représenter l'ensemble du problème. Donc ça, c'est dans mes éléments positifs. Également, ça ce n'est qu'un détail, mais étant une partisane d'une fan inconditionnelle de Cat's Eyes, on a l'introduction dès 1980, du prénom Ai, qui est la troisième des sœurs Kiseji pour ceux qui connaissent, donc la plus jeune. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être une inspiration directement à ce personnage. Et puis des éléments négatifs, pour moi il y a vraiment un aspect vieillissant dans la manière dont s'expriment les personnages. On sent un à-coup du temps, et pourtant Tsukasa Ojo ne nous a pas forcément toujours habitués à ça. Personnellement, j'ai énormément de mal dans ma vie en général avec cette scission des filles, des garçons, des idées très clichés à l'ancienne qui me semblent complètement irrationnelles, qui ici sont énormément exploitées, on va pas se mentir. Avec des phrases du style, je vous ai noté, nous tenons à garder la ligne, ce sera salade pendant 3 mois. Donc évidemment c'est une fille qui dit ça. C'est tellement cliché, on n'en peut tellement plus d'entretenir ce genre de pensée que pour moi, voilà, je trouve pas tellement de sens, d'appréciation dans cette courte histoire. Elle a vraiment pas fait partie de celles qui m'ont plu et qui ont bâti mon classement, quoi. D'ailleurs j'y ai associé une critique plutôt générale à Tsukasa Ojo. C'est quelque chose que je trouve très récurrent chez lui, cette façon comme ça d'attribuer aux femmes certaines postures, que ce soit physiques, elles ont souvent des airs plus introvertis, les jambes plus croisées, les hommes plus en avant, plus ancrés dans le sol, plus forts, la tête haute. Il y a vraiment, je trouve, dans l'univers de Tsukasa Ojo, un débat qui peut se mener sur est-ce que finalement il n'y a pas un peu de sexisme. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que pour moi pas du tout, il met aussi des femmes fortes, intelligentes, brillantes, belles, qui ont tout pour elles en tant qu'héroïne. Je pense pas du tout au sexisme. Hein. Ce que je veux vous dire c'est qu'il y a par contre souvent de l'érotisme, des femmes en sous-vêtements, féminines, et dès lors qu'elles ne le sont pas, ça va être pointé du doigt, avec beaucoup de phrases, de pensées, comme je vous l'ai illustré, qui ramène vraiment à une ancienne époque, à une ancienne façon d'envisager les choses, à laquelle évidemment je n'adhère pas. Après, ma grande interrogation, c'est est-ce que Tsukasa Ojo met ça dans ses œuvres pour montrer le caractère irrationnel, ridicule de ce genre de choses,
ou est-ce que c'est un petit peu ce qui est ancré en lui et qui rejaillit, je sais pas vraiment. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le sujet, ça m'intéresserait. Juste après Je suis un homme dont on vient de parler, on va avoir en 1983 une ébauche de sa principale série à succès, à savoir City Hunter, qui elle d'ailleurs sortira officiellement en 1985, donc c'est vraiment au travers de ce premier recueil qu'on va avoir les premiers éléments de City Hunter, les premières esquisses, les premières histoires, et je pense que pour les fans c'est hyper important du coup de pouvoir s'acheter ce recueil et les découvrir puisqu'elles sont voilà en plein milieu du manga. Donc on va retrouver l'histoire City Hunter XYZ, donc Ryo Saeba, pour ceux qui ne connaissent pas c'est le personnage principal. C'est un nettoyeur professionnel connu sous le nom de City Hunter. Sa mission c'est de protéger souvent des femmes, en l'occurrence dans cette histoire Mitsuko Shimizu. Elle doit créer un vaccin contre le virus que son propre père a élaboré, a créé, et l'idée c'est qu'elle détient donc une arme énormissime qui peut détruire l'humanité tout entière. Donc elle demande à City Hunter si jamais elle se fait enlever qu'il la tue. Donc ça c'est la trame de City Hunter XYZ, et il y a également City Hunter Double Egged, je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, deux premières ébauches qui peuvent être intéressantes à retrouver. Ensuite, on a l'histoire en 1985 qui est nommée Histoire de chat. Donc là, je vais vous lire le résumé, c'est une histoire que j'ai plutôt appréciée. Yoichi Moriyama est un photographe. Alors qu'il est sur le point d'avoir un scoop, il sauve la vie d'une chatte qui était sur le point de tomber du haut d'un immeuble. Quelques jours plus tard, il rencontre une jeune femme qui est propriétaire justement de la jeune chatte qu'il a sauvée. Et cette rencontre va changer sa vie, elle deviendra son modèle photo, puis sa compagne, ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Et tout va très bien entre eux, ils vivent une merveilleuse idylle, mais il y a un point qui pose problème, c'est que la jeune femme part toujours avant minuit, et évidemment Yoichi ne comprend pas pourquoi. En réalité, cette jeune femme cache un terrible secret qui va être lié au chat, donc il y a vraiment une histoire un petit peu fantastique, un petit peu magique, qui peut rappeler un petit peu certains Disney, Cendrillon particulièrement. Pour mes points positifs, j'ai noté que c'était un récit qui est fluide, qui est agréable, qui a un format court mais qui lui va très bien. Une histoire qui ne m'a pas transcendée mais que j'ai trouvé quand même plutôt touchante. Et en point négatif, je relève une espèce de frustration énorme en tant que lecteur, à savoir qu'on a envie, je sais pas si vous avez déjà traversé ces émotions-là quand on regarde un film, qu'on lit un livre, de secouer les protagonistes et de leur dire communique, il suffit de communiquer et puis tous vos problèmes seront réglés parce qu'il t'acceptera tel que tu es, parce que vous pourrez peut-être trouver des solutions. Il y a vraiment cette idée de on est impuissant en tant que lecteur et on voit se profiler sous nos yeux une histoire qui finalement est très frustrante, voilà simplement. Et puis ensuite en 1988 on va avoir la quatrième et dernière histoire de ce premier recueil qui s'appelle Le cadeau de l'ange, je vais vous lire donc le résumé. Il s'agit du personnage de Masahiro, qui est un étudiant qui rêve de vivre une romance royale, selon ses dires. Il est accompagné de son amie d'enfance Kyoko, et un jour, en allant à un rendez-vous, puisque ce jeune homme est un donjon, n'est-ce pas, une mystérieuse jeune fille qui est nommée Anna va l'agripper dans le métro, donc c'est une enfant, et celle-ci l'appelle immédiatement papa, et quand elle va rencontrer Kyoko, va l'appeler maman. Cette jeune fille, Anna, fera découvrir à Masahiro les joies et les peines qu'un père a pour sa propre fille. Il y a quelque chose de magique qui s'instaure dans cette histoire, de surnaturel du moins, qu'on a du mal à saisir. Elle sort un petit peu de nulle part dans un enchaînement rapide de situations. Vous l'aurez compris, moi c'est une histoire que j'ai adorée, c'est vraiment l'une de mes préférées, et c'est d'ailleurs celle qui illustre le premier recueil. C'est aussi une histoire qui apparaît assez concise, puisque vous le voyez bien, dans un manga comme celui-ci, il y a 4 petites histoires, mais c'est un format qui lui convient parfaitement. Elle est très simple, mais à la fois touchante, captivante, interrogeante. Elle permet de comprendre certaines choses. Et un petit plus aussi que je lui ai accordé, puisque j'ai rarement vu des enfants dans les œuvres de Tsukasa Ojo. Et la petite Anna ici, elle est extrêmement touchante, elle est trop mignonne, je l'ai beaucoup aimée. Je vous propose de passer maintenant au second recueil qui comprend quant à lui 4 histoires courtes qui ont été écrites au début des années 90, qui va être nommée Le Temps des Cerisiers, donc l'une des 4 nouvelles. On commence avec la plus récente, 1990, avec l'histoire nommée Taxi Driver. Donc c'est l'histoire d'un chauffeur de nuit qui s'appelle Akira Ohogami. Dès le départ, on sent qu'il cache quelque chose, qu'il a un secret. Et un soir, une de ses clientes dans son taxi va s'endormir, et donc pour ne pas la réveiller, ne sachant pas trop comment faire, il va la ramener chez lui. Et il se trouve que cette jeune femme, tout comme lui, cache un secret, et donc chacun vont se retrouver liés, mêlés, sans l'avoir forcément voulu, et c'est ainsi qu'on va un petit peu vivre leurs aventures. Je vais commencer comme d'ordinaire avec mes points positifs. J'ai souligné le fait que Tsukasa Ojo nous amène dans une prise de risque, vraiment une zone qui est alors non expérimentée dans ses travaux antérieurs, à savoir l'introduction de thématiques surnaturelles, fantastiques.
Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais pour moi il y avait quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Je n'aurais jamais imaginé que Tsukasa Ojo nous emmènerait sur ce terrain-là. Je trouve que c'est pas son mode d'expression de base, c'est pas ce à quoi il nous a habitués. Donc ça c'est mon point positif, je trouve ça très nécessaire en tant que créateur de pouvoir se renouveler, s'essayer. J'ai beaucoup apprécié aussi les intégrations un petit peu en clin d'œil que nous fait Tsukasa Ojo avec les personnages de City Hunter. C'est-à-dire qu'on voit apparaître avec parcimonie Kaori avec Ryo, qui sont dans l'histoire introduits comme les voisins de la fille et le garçon qui cachent tous deux un secret. Et pour vous parler de mes éléments négatifs, je dirais que globalement c'est pas une histoire que j'ai forcément aimée. Je trouve qu'elle est relativement proche de ce que propose City Hunter. J'aime bien City Hunter, mais c'est pas non plus l'un des mangas qui me fait vibrer parce que les thématiques ne m'intéressent pas plus que ça. Et ici j'ai l'impression que c'est un petit peu une variante de City Hunter, quelque chose qui serait pas autant développé, pas aussi qualitatif, et comme je vous dis, avec surtout des éléments davantage surnaturels, de fantasy, auxquels je n'adhère pas forcément. Il y a aussi un élément qui est beaucoup évoqué, c'est la notion de vierge, mais pas dans le sens qu'on l'entendrait entre humains, c'est vraiment lié à la thématique surnaturelle, mais c'est un mot qui me semble être inadapté à la situation, gênant, redondant, j'ai pas trop compris ce qu'il y avait autour de cette appellation. Donc pour conclure sur mon avis pour Taxi Driver, ça va être une histoire qui se rapproche beaucoup de City Hunter. Si vous êtes fan, pourquoi pas la lire, ça pourrait être intéressant, mais que je trouve quand même beaucoup moins qualitative. Et puis encore une fois, le petit plus pour le côté inattendu de la thématique. Toujours pour notre recueil numéro 2, on va parler de l'histoire en 1992 qui est nommée Complot de famille. Donc il s'agit d'un jeune garçon qui s'appelle Kazuya, qui vit depuis toujours seul avec son père, et lorsque celui-ci lui annonce qu'il va se remarier, puisque son père est tombé amoureux, le jeune garçon semble très affecté et surtout critique, hein, complètement contre cette union. Et malheureusement, un concours de circonstances fait que le père va subir un accident, qu'il va perdre la mémoire. Et c'est à ce moment-là que la vie des trois protagonistes, à savoir le père, le fils et la femme à marier, on va dire, va être complètement chamboulée. Pour ce qui est de mes éléments positifs, j'ai relevé que ça marque une grande dichotomie, encore une fois, avec les propositions précédentes de Tsukasa Ojo. Le cadre ici est très réaliste, le propos est grave et sérieux. C'est encore différent du côté plus enfantin qu'on pouvait retrouver dans Cat Size, si je puis dire, du côté plus d'action qu'on retrouve dans City Hunter, et il y a quand même des aspects qui font un peu irréalistes dans City Hunter. Ici en termes de scénario, c'est complètement le type d'histoire qui m'intéresse, qui me plaise beaucoup. Si vous voulez, c'est l'un de ces moments de vie où en un instant tout bascule et on se rend compte que nos préoccupations antérieures, elles pouvaient être éphémères, secondaires, et que le plus important n'est pas là. Donc on va avoir tout le cheminement, l'acceptation ou non du jeune garçon avec cette femme, comment est-ce que il va la rejeter de leur vie ou au contraire essayer de l'accepter pour aider son père. Il y a vraiment différentes phases et je trouve que c'est plutôt représentatif de ce qui peut se passer en réalité. Encore une fois, vous voyez, c'est le type d'histoire qui pourrait être vraiment développée puisqu'on est sur une thématique qui est grave, qui ne peut se résoudre en quelques pages. Tout le pouvoir de ces courtes histoires, selon moi, réside en la capacité de Tsukasa Ojo à pouvoir nous faire vivre des émotions intenses. Ici, en l'occurrence, même la détresse d'un enfant, ses comportements inadaptés, beaucoup de choses qui vont nous toucher profondément. En quelques pages, c'est très fort. Toujours en 1992, on a maintenant une histoire qui est nommée Rêve d'été, et je vais vous lire une fois de plus le résumé. Misako a une rancœur envers son père, mais elle ne se souvient plus de la raison qui fait qu'elle ressent ça contre lui, elle le sent juste en elle. Donc elle s'interroge énormément, et parallèlement à ça, elle a une phobie de l'eau inexpliquée qui interroge aussi son entourage. Et un jour, en attendant son père derrière ses bureaux, elle va glisser près d'un étang et se retrouvera dans le coma. Et tout l'intérêt de cette histoire, si vous voulez, consiste à démêler le flou de ses pensées pour pouvoir découvrir les raisons sous-jacentes à toutes ces interrogations que elle-même et son entourage ne comprennent pas. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est vraiment l'une de mes préférées. Encore une fois, elle dénote complètement avec ce qu'on avait antérieurement. Elle a presque un côté un peu philosophique. En tout cas, je vois un vrai travail de créateur. Il y a en fait, si vous voulez, un développement du rêve, de quelque chose de psychologique avec des images illustrées différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, des espaces qui sont un peu tourbillonnants. Je trouve que l'auteur arrive bien à nous représenter la difficulté qu'elle a à trouver des réponses au travers justement de ses dessins. C'est également un récit qui tourne autour des thématiques qui me plaisent énormément, à savoir les rêves, l'illusion, la réflexion, les liens familiaux, les difficultés surtout familiales, qui va un petit peu au-delà de ce qui est conscient, donc elle est un petit peu explorée l'inconscient, notamment par le rêve comme je l'ai dit. On est sur une histoire qui selon moi est beaucoup plus mature, on est sur un niveau plus élaboré de manga, plus sérieux, plus énigmatique.
En tout cas, c'est encore une fois quelque chose qui n'a pas été exploité auparavant chez l'auteur. Et c'est par là même que je suis captivée vraiment par la lecture de ces trois recueils que j'ai faites ces derniers jours. Une fois de plus, on a un petit clin d'œil qui est adressé aux œuvres antérieures, notamment à Cat Size, que j'ai, vous vous en doutez, extrêmement apprécié au travers d'un rêve. Je pense que si j'ai beaucoup apprécié cette histoire, c'est parce qu'elle faisait écho, elle faisait un petit peu parallèle à mes propres sentiments, ressentis. Sans vouloir vous spoiler l'histoire que je vous conseille réellement de lire, j'ai noté que selon moi, elle révèle d'à quel point un instant d'incompréhension lorsque l'on est jeune, lorsque l'on est enfant, vis-à-vis d'un parent, en tout cas d'une figure d'autorité, ça peut complètement nous marquer. Parfois quand on est enfant, moi je me souviens de l'avoir vécu, il y a des choses qui nous tiennent énormément à cœur, qui peuvent nous blesser profondément, même très irrationnelles, incomprises. Et parfois nos parents n'arrivent pas à saisir à quel point c'est important pour nous. Dans ce genre de moment, ça peut complètement créer une faille, à la fois en soi, en son parent, et surtout dans la relation parent-enfant. Vous l'aurez compris, c'est ce que raconte beaucoup cette histoire. Ça révèle, voilà, d'un côté très nécessaire en tant que parent d'être à l'écoute de son enfant, de le connaître, d'essayer de le comprendre, bien que ce soit pas toujours si évident. Donc pour moi, cette histoire, c'est à la fois une belle morale, un beau travail créatif et une transmission au travers d'une histoire poétique. J'ai beaucoup moins aimé la fin que j'ai trouvée un petit peu trop longue, notamment où le personnage de Misako, donc la jeune fille, s'extirpe en quelque sorte de son rêve. C'est quelque chose d'un petit peu laborieux, même un petit peu compliqué à comprendre. Voilà, c'est vraiment sur les dernières pages, mais globalement c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup appréciée. Et enfin, en 1993, on a la fameuse histoire qui a donné son nom au recueil, à savoir Le Temps des Cerisiers. Donc il s'agit de l'histoire de Masaki qui est attirée par sa nouvelle voisine qui s'appelle Sara Nishikejo, qui semble communiquer quant à elle avec les plantes, tout comme son père. Et de plus, le cerisier qui se trouve dans le jardin de Masaki, le jeune garçon, semble sur le point de mourir. Donc vous vous doutez qu'il va y avoir des échanges, de la communication, peut-être une relation qui va se tisser entre ces deux enfants. C'est classé cette fois comme de la comédie, de la romance. Et encore une fois, je félicite l'intégration d'enfants, puisque là on est même carrément sur des personnages principaux qui font vivre l'histoire à deux enfants, donc chapeau à Tsukasa Ojo qui se réinvente une fois de plus. J'ai noté que c'était une histoire très poétique, notamment par les fleurs de cerisier, les plantes, le côté nature qui ressort, donc poétique et touchante. Ici on n'a pas de clichés, de combat de genre, on n'a pas d'armes à feu, on n'a pas de combat d'ego. On est vraiment sur une histoire qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus enfantine et que je pense qu'on pourrait très facilement lire à un enfant. Il y a une légère part surnaturelle à l'histoire, notamment sur le plan de la nature. Ça renforce encore plus cet effet poétique dont je parlais tout à l'heure, donc j'ai plutôt apprécié cela. On en a donc fini avec le second recueil, à savoir Le Temps des Cerisiers, et j'ai noté que l'auteur dit lui-même que le recueil des différentes histoires est le fruit de sa paresse, notamment sur le plan de leur hétérogénéité, donc le fait qu'elles soient très différentes entre elles. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve très charmant, voilà, de pouvoir tourner les pages, découvrir les histoires qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres. C'est quelque chose que j'ai vraiment su apprécier pour ce second recueil. Tout de suite, je vous propose de passer au recueil numéro 3 des histoires de Tsukasa Ojo, qui en comprend uniquement 3 cette fois et qui vont être publiées en 1996 au travers de cet ensemble. Cette fois, on bascule sur une thématique plutôt homogène entre les trois histoires, à savoir le drame et la tranche de vie, mais pour moi c'est particulièrement le drame. On va commencer avec la première d'entre elles qui est nommée Aux frontières du ciel. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Junpei, qui a 16 ans et qui va s'inscrire à l'école militaire pour devenir, il l'espère du moins, un aussi bon pilote de chasse que son frère, frère aîné qui lui s'appelle Sohei. Les deux frères vont avoir une relation très liée, ils vont être très proches, très touchants, également avec leur père qui lui est malade malheureusement. Et pour vous poser le contexte, dans l'histoire on est projeté directement en 1943 au Japon, et ce qui va constituer l'élément déclencheur de la courte histoire, c'est que le jeune garçon âgé de seulement 17 ans à ce moment-là, donc Junpei, va recevoir l'ordre d'intégrer une unité kamikaze. Alors, mon retour, c'est que c'est un récit poignant qui, en termes d'émotion, m'a fait penser aux travaux de Hayao Miyazaki qui parfois nous transperce tellement c'est fort. Ici, on est sur des thématiques de vie, à savoir la famille, l'amour, la passion, également l'aviation, mais surtout la guerre, la force des convictions humaines. J'ai noté également qu'à la différence des autres récits manga ou des autres propositions de Tsukasa Ojo, ici l'auteur laisse souvent des encadrés qui permettent de remettre vraiment l'histoire en contexte. On va avoir les faits de guerre réels, des explications,
Et tout ça, ça facilite à la fois notre compréhension, mais ça a aussi un aspect didactique où on va développer des connaissances, renforcer ses connaissances. C'est quelque chose que j'ai trouvé très appréciable et qui montre aussi l'intérêt de l'auteur pour cette thématique et puis un travail de documentation de sa part. J'ai beaucoup apprécié que l'auteur n'ait pas ménagé mes émotions, il n'y a pas d'enjolivation de la réalité. Dans la fin, on ne va pas avoir tout qui miraculeusement se résolve. Et ça a un côté nettement plus impactant, je trouve, en tant que lecteur, auditeur, public, de se rendre compte que ça s'est réellement passé. Ça nous donne encore plus cette émotion forte qu'on recherche, en tout cas personnellement, quand je suis face à de l'art, puisque pour moi le manga est une expression de l'art. Et pour mon aspect négatif, j'ai un regard ultra critique sur la guerre, notamment les discours très arriérés des pères envers leurs fils qui mettent en avant la gloire masculine, la gloire de la nation. Enfin, moi, tous ces discours-là, ça a tendance à m'hérisser, à me tendre. Personnellement, je trouve ça complètement stupide, ridicule. Et voilà, du coup, j'étais un petit peu à reculons sur certains moments. Ça avait tendance à m'agacer, on va dire. Maintenant, je vais vous parler de la seconde courte histoire, je dirais la seconde œuvre, puisque c'est celle qui donne le nom au recueil, hein, La Mélodie de Jenny. Et celle-ci, vraiment, c'est de toutes les histoires confondues que j'ai pu lire au travers des trois recueils, ma préférée. Je trouve vraiment qu'elle s'articule bien avec l'histoire précédente aux frontières du ciel. Ici, pour vous le résumer, on est projeté en 1945, quelques jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant la résolution du conflit. Va nous être contée l'histoire de quatre enfants qui vont s'échapper du centre où ils ont été placés. Donc comme il y a beaucoup de bombardements sur la ville de Tokyo, on recule un petit peu les enfants dans des campagnes. C'est censé être un lieu chaleureux d'accueil. En réalité, selon ce que nous dépeint l'auteur, on va avoir des enfants qui vont être maltraités, mal nourris, exploités de manière très violente. Et donc, en route pour s'enfuir, ces quatre enfants vont croiser le chemin d'un prisonnier américain en fuite. Et c'est un petit peu leur histoire à eux, et dans ce climat de guerre, même de fin de guerre, donc le plus violent qui soit, tellement violent qu'il a conduit les Japonais à devoir, entre guillemets, rendre les armes. Là, une fois de plus, on est sur un récit qui, émotionnellement, est très conséquent, qui est extrêmement bien documenté, très proche en fait des compliments, entre guillemets, que j'ai pu faire pour Aux frontières du ciel. Également, pour ceux qui connaîtraient La Mélodie de Jenny, j'ai noté que par l'introduction particulièrement du personnage de Dave, on va mettre en évidence la bêtise humaine. On voit des Japonais qui perdent tout, hein, leur famille, leur maison, leur vie finalement entière, et qui s'en prennent encore à d'autres, à savoir Dave qui est en fait plutôt européen, eurasien niveau physique. Il y a vraiment ce schéma de ça va pas chez moi, donc ça va pas aller chez les autres, on va continuer à auto-alimenter une haine, à généraliser, voilà, faire d'un individu subjectif une violence de guerre liée justement à l'Amérique vis-à-vis du Japon. Quelque chose de très ancré que je n'ai pas vécu mais que je trouve irrationnel, soigner le mal par le mal, voilà, ça fait vraiment rejaillir cet aspect-là et rejaillir surtout l'aspect irrationnel des êtres humains, le côté un petit peu qu'on ne pourra jamais comprendre et jamais résolver. Vraiment, pas d'aspect négatif pour cette histoire, je n'ai qu'un mot. Pour moi, cette histoire, elle est grandiose et je dirais même qu'au-delà des différents recueils, elle fait partie des chefs-d'œuvre du manga. La dernière histoire dont je vais vous parler s'appelle Le rêve américain. C'est la troisième histoire du dernier recueil, La Mélodie de Jenny. Donc là, ça va nous projeter un petit peu en arrière, on est en 1935. On va avoir un joueur de baseball qui est membre de l'équipe nationale japonaise, qui part en tournée aux États-Unis, qui rêve d'une carrière professionnelle dans le monde, pourquoi pas sur le continent américain, mais toujours dans la perspective de faire vivre sa famille, de les mettre à l'abri, entre guillemets. Et malheureusement, le conflit mondial approche à grands pas, puisqu'on est en 1935, et donc il y a de vives tensions entre le peuple américain et japonais. Et c'est ce que raconte plus ou moins cette histoire au travers d'un cadre très tourné autour du sport, le baseball. Le rêve américain, en termes positifs, j'ai mis qu'il y avait un petit lien avec les deux histoires précédentes qui sont coup de cœur pour moi, vous l'aurez compris. Un lien qui est quand même moins marqué, plus distinct. C'est une histoire qui peut être intéressante, notamment si on aime le baseball. L'univers est très bien représenté, il est la thématique, ou du moins l'une des thématiques principales de l'histoire. Et sur le plan négatif, j'ai mis que c'était l'histoire courte de toutes confondues que j'ai vraiment la moins appréciée, et de loin, elle était confuse pour moi, elle était pas forcément intéressante, plutôt redondante même à certains moments. C'est sur cette dernière histoire que s'achève ma vidéo. Je vais vous faire un petit retour d'abord sur le troisième recueil. Donc ces trois histoires, elles permettent à Tsukasa Ojo de traiter une thématique qui, il le dit lui-même, lui est chère, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Selon ses dires, ça aurait été depuis toujours dans ses ambitions de mangaka de pouvoir
créer une histoire autour de cette période qui lui plaît visiblement, qui l'intéresse. Je peux dire que ce recueil-ci, c'est le dernier que j'ai lu, le recueil 3 là, m'a particulièrement touchée. Je ne m'y attendais pas du tout, d'autant que les deux premiers sont beaucoup plus légers, le propos est tout autre. Pour conclure cette vidéo, pour moi une fois de plus, la mélodie de Jenny, c'est vraiment l'apothéose des trois récits. Donc du dernier recueil, mais de tous les récits confondus surtout. C'est une histoire qui fait dorénavant partie des œuvres manga qui m'ont le plus touchée, qui vont le plus avoir un impact sur moi. Par là même, je ne saurais que vous la conseiller. Et vous l'aurez compris également, c'est pas la seule qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé Le cadeau de l'ange, Complot de famille, Rêve d'été, Aux frontières du ciel. Donc voilà, d'autres histoires aussi au travers de ces trois recueils que je trouve intéressantes. Avec une hétérogénéité quand même, je retiens qu'il y a des histoires que j'ai beaucoup plus appréciées que d'autres et de manière un petit peu diffuse selon les divers recueils. Également, je n'ai cessé de le répéter tout au long de cette vidéo, mais j'ai été incroyablement, agréablement surprise par le panel artistique. Tout ce qui a été exploré par le mangaka au travers de ces différents recueils, ça le met vraiment en exergue, d'avoir un condensé comme ça, que j'ai acheté en plus en paquet, donc tous les trois, que j'ai lu dans une continuité. C'est encore une fois donner des qualités à Tsukasa Ojo qui, si vous ne le savez pas, est l'un de mes deux mangakas préférés avec Aiyazawa. Ce genre d'éléments particulièrement qui me font le considérer comme l'un des grands maîtres du manga de manière internationale et intemporelle. Et tout ça sans parler de ses productions en termes de dessin qui sont d'une qualité incontestable. Pour moi c'est le meilleur pour ça, pour dessiner les traits fins, les traits féminins notamment, avec une telle délicatesse, précision, sensibilité. J'aime énormément les dessins de Tsukasa Ojo. Ainsi je vais donc conclure cette vidéo. J'ai vraiment été ravie de vous retrouver, ça faisait très longtemps, j'ai pris plaisir à relire des mangas, chose que j'avais aussi complètement laissé de côté. J'ai pris plaisir à retourner cette vidéo, retravailler aussi ma vidéo. C'est quelque chose que je vais évidemment entretenir. Je ne saurais que remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant ce laps de temps où je me suis un petit peu reculée au niveau de mes études. Quand je le souhaite, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde !